Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier live Twitch sur Pokémon Fusion 2 HeartGold. Salut à toi Tonnerre. Alors aujourd'hui, voici le live tant attendu, enfin tant attendu pour certains d'entre vous peut-être, sur le jeu que je voulais faire depuis un moment, Pokémon Fusion 2 HeartGold. Je suis là pour te faire de mauvais tours. Un main miaou, c'est toute sa clique. On va commencer. Alors, aujourd'hui, on va faire un jeu assez spécial que vous avez, que vous avez voté sur YouTube, Pokémon Fusion 2 HeartGold. Alors, le principe est simple. En fait, c'est Pokémon HeartGold, le jeu qu'on va faire. Alors, Pokémon Fusion 2 HeartGold, qu'est-ce que c'est? C'est une acrome. Donc, tout simplement, c'est le jeu Pokémon HeartGold. Mais à quelques différences près. Je vous en dis pas plus, on va voir ça ensemble. Baisse le son juste un peu, STP. Le son de quoi? Le son du jeu? C'est le son du jeu que tu veux que je baisse? Bah attends, j'allais commencer, mais du coup, je vais pas commencer avant tout. Du jeu. Ok, bah attends, je vais faire ça. Ne serait-ce que 2 secondes, ça va prendre juste quelques minutes. Ça va pas être long, hein. Voilà. Là, tu me dis si c'est un peu mieux. Normalement, ça devrait être un peu mieux. Là, je l'ai baissé de 10, on va dire. Alors, non merci. Et sans plus attendre, on va commencer le jeu de suite. Alors, normalement, comme je n'ai rien ouvert à côté, cette fois, ça ne devrait pas bugger, hein, suite au live test que j'ai fait jeudi et puis la semaine dernière, je crois. Bon, allez, on commence. On dirait que le soleil va bientôt se coucher. C'est un peu vrai. On est en fin d'après-midi. Ah! Mais c'est pas le moment d'être mélancolique! Désolé de t'avoir fait attendre. Bonjour, chaîne. Attends, il y a un truc là sur l'écran. J'ai la flemme d'aller chercher un chiffon, donc je vais faire ça. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Chen. Mais tout le monde m'appelle le professeur Pokémon. Tu débutes tout juste ton aventure, je me trompe? Dans ce jeu, oui. Pas dans la saga. Laisse-moi tout d'abord t'enseigner les bases de ce monde. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Alors évidemment, le mari, lui, n'est pas changé, mais... Ah non, je vais pas te spoiler, hein. Nous, les humains, nous vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Certaines personnes utilisent les Pokémon pour combattre et créer un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour que nous en sachions plus sur les Pokémon et pour pouvoir un peu plus les exploiter. Pardon. Ah, refaire ce jeu, c'est le jeu de mon enfance, hein. HeartGold et SoulSilver. Ah, j'adore. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Es-tu un garçon ou une fille? Je t'emmerde. Qui te dit que je suis non-binaire? Ou un... Bon, bref, bah, je suis un garçon, évidemment. Tu es donc un garçon. Bah oui, t'es bibleux ou quoi, le papy? Comment t'appelles-tu? Alors, simple. On prend la fille. Non, non, moi, je... Je prends... Ce qui est... Moi, je vais pas jouer avec ça. Je sais que toi, t'as pris la fille, Tonnerre, mais moi, je vais prendre le gars. Alors, évidemment, je m'appelle Thomas. À chaque fois que j'ai joué à un jeu, j'ai toujours mis mon prénom. J'ai jamais mis de pseudo. Parce que j'ai l'impression que ça fait plus... Moi. Voilà. Tu t'appelles Thomas? Oui. Le moment est venu, Thomas. Tout est prêt? Tu es sur le point d'embarquer pour une aventure unique. Tu vas vivre des moments de joie, d'autres de peine. Tout un monde de choses à expérimenter. Allez, plonge dans le monde des Pokémon. Sur ce, à très bientôt. Oh, les souvenirs, les souvenirs, les souvenirs. Donc voilà, c'est exactement le même jeu. HeartGold et SoulSilver. Les seules différences qu'on remarquera, ce seront les différences de tout à l'heure. Alors, je sais qu'il y a une potion dans le PC, je crois. Ah non, attends. Non, il y a une lettre. Une lettre de Célesta. Bah, la lire. Tiens, j'avais jamais vu ça, tiens. Aventure, nerveux, j'adore Pokémon. Ok.
Ok. Bah, au moins j'ai découvert un truc, hein. J'ai jamais pensé à regarder dans le PC quand je jouais au jeu, sur ce qu'il y avait. Juste normal qu'on voit l'écran principal en double. Ah oui, c'est parce que ça, c'est la disposition. En fait, j'avais soit ça, soit l'écran était en tout petit, mais en gros, il y avait l'écran du bas en bas et l'écran du haut en haut. Mais ça aurait été tout petit. Donc, cette disposition, je trouve que c'est mieux. Ça prend tout l'écran, mais au moins, comme ça, on voit l'écran, c'est fluide. Ah, Thomas, tu es enfin levé? Ton amie Célesta vient de passer. Elle jouait à chat avec son mari. Au fait, le professeur Orme te cherchait. Je crois qu'il voulait te demander de lui rendre un service. Son laboratoire est juste à côté, tu devrais le trouver de suite. À propos, avant de sortir, tu es sûr de n'avoir rien oublié? Allez, maman. Range ce dont tu as besoin dans ce sac. Voici ta carte de dresseur. Voici le cahier sur lequel noter ta progression. Et enfin, quelque chose de très utile. Essaye de toucher les icônes, tu comprendras tout de suite. Voilà. Et évidemment, les mamans, toujours, hein. Bon, en vrai, c'est toujours mieux d'avoir l'écran comme ça parce que sinon, t'aurais eu l'écran tout petit, c'était. Tu vois ce que t'as fait avec ton truc Pokémon Y? Bah, je ferais pas la même chose du coup. Il me semble que c'est un peu ce que t'as fait toi aussi quand t'as commencé ton let's play sur Argent sur Silver en random. Non, pas en random, non, en Nuzlocke. Je crois que c'est en random. Il me semble. Alors, je sais que d'abord je dois. Maison de Célestin. Je ne sais plus si c'est obligatoire d'aller voir Célesta au début du jeu, mais moi c'est ce que je faisais à chaque fois que je faisais les parties. Bonjour papa de Célesta. Salut Thomas, Célesta est à l'étage, dans sa chambre. Elle s'amuse avec son Pokémon, comme d'habitude. Et toi, tu n'as pas amené le tien? Ah c'est vrai, tu n'as pas encore de Pokémon. Désolé, désolé. Ne pas s'énerver. J'espère que tu ne m'en veux pas. Non, mais je retiens. Yes, d'ailleurs, je ne le fais plus comme Y. Ouais, je sais. Avec Éclair pourpre, tu as fait la même. Autrement. Désolé, bite en bois. Marie, Marie. Thomas, le professeur Homme te faisait chercher. Tu es allé à son laboratoire? Donc voilà, ça ne servait à rien, mais. Quand j'étais petit, j'y étais. En hardcore Nuzlocke sur SoulSilver. Ouais, je sais, parce que tu n'utilises pas d'objets. Eh ben nous, tu vas voir, on va pas le faire en mode Nuzlocke, on va le faire en mode normal, mais tu vas voir que le jeu est assez particulier. Tu vas voir ça. Oh, salut Silver. Ben voilà. Et pour l'anecdote, quand j'étais petit, quand j'ai joué la première fois, je ne savais pas que Silver, en gros, il y avait un événement. En fait, je n'avais pas vu qu'il était au laboratoire lors de la première fois. Je l'ai seulement vu, je crois, les deuxième, troisième fois que j'y jouais au jeu. Ouais, voilà. Et seulement j'ai vu la violence de la scène. Mais avant je ne savais pas. C'est donc ça le célèbre laboratoire du professeur Orme. Tu veux quoi? Ne regarde pas comme ça! Octogone, allez, on connaît. On se croirait à Marseille. Un petit pensée pour les Marseillais qui regardent cette vidéo. Hé hey, Thomas, je t'attendais. Est-ce que tu sais ce que j'étudie? De nos jours, c'est normal de se promener avec ses Pokémon dans des Pokéballs. Mais avant qu'elle ne soit inventée, les gens marchaient avec leurs Pokémon à leur côté. Une des raisons pour lesquelles j'adore ce jeu aussi, se promener avec ses Pokémon, ouais. MDM, Burbit Quick qui te donne. Ouais, t'as vu, hein? Silver, c'est. Oui, comme ton ami Célestin. Bien sûr, l'avantage. J'allais dire Célestia, mais non, c'est le nom d'une ville dans Sinnoh. L'avantage des Pokéballs, c'est que beaucoup sont plus pratiques. Mais je pense qu'il y a aussi de bons côtés à marcher avec son Pokémon. Peut-être un rapport avec leur développement ou leur évolution. Regarde le chat en même temps. Et justement, je vais te donner un Pokémon pour que tu puisses te promener avec lui. J'aimerais en savoir davantage sur les relations spéciales qui peuvent se nouer entre humains et Pokémon. Et on sait déjà quel Pokémon on va choisir. Hein. Comme j'ai été sur ton live, Ray, je pense que tu sais quel starter je vais choisir. Choisis ton Pokémon parmi ceux-ci. Ah oui, c'est vrai. Oh, j'ai reçu un email. Ouais, je vois. Écoute voir. J'ai un ami du nom de Monsieur Pokémon. L'originalité du nom, hein? Monsieur Pokémon. Je m'appelle Monsieur Pokémon. Et vous? Je sais pas. Monsieur Pokéball. C'est un vieil homme qui crie à la grande découverte dès qu'il voit un truc, qu'il sort de l'ordinaire.
il vient de m'envoyer un email disant que cette fois, c'est pour de vrai. Je pense que c'est encore un œuf de Pokémon. Hélas, j'ai vraiment trop de travail. Ah, je sais. Tu pourrais y aller à ma place. Non. Si, hein, dis oui. Choisis le Pokémon que tu préfères dans cette machine. Merci. Tu verras. Et attention, touche la Pokéball pour voir son contenu. Voici la grande spécialité de ce jeu. Tous les Pokémon, tous sont... Quoi ? C'est aléatoire ou... Ah non, mais je me souviens, c'était pas comme ça pour Fildong. Alors, en gros, tous les Pokémon sont fusionnés. Alors en fait, je vais t'expliquer le principe. Pokémon Fusion 2 HeartGold, c'est une Acrom. C'est un jeu en full random. C'est-à-dire que tu vas avoir des Pokémon qui sont complètement aléatoires, mais aussi tu vas avoir des fusions de Pokémon. Genre en fait, là par exemple, on a une fusion entre Kaminus et... comment il s'appelle ? Solochi, voilà, c'est ça. Et là, entre Germignon et puis Amagara, il est trop pichou, on en parle. Et là, entre Erisandre et... je sais pas en fait. Je sais pas, là je ne vois pas quel Pokémon. Enfin bref, c'est ça la spécialité de tous les Pokémon de ce jeu. Les trois sont des pépites. Ouais, on est d'accord. Mais en gros, là, Kaiminus il a une tronche bizarre. Lui, Fildrong, je me souviens qu'il avait un mélange entre Kaiminus et Ptyranidur. Ambrilex. Ah ouais, c'est Ambrilex. T'as raison. Ouais, t'as raison, c'est Ambrilex. Enfin bon. Ils sont tous incroyables, mais moi j'ai déjà fait mon choix. Bon, on en parle du fait que Germignon et Amagara sont trop pichou tous les deux. Mais moi, il y a toujours un starter que j'ai adoré. C'est le starter de mon enfance. Erisandre Brilex. Exactement, ça va être lui. Ça va être lui, l'heureux élu. Erisandre, je te choisis. Je parle peut-être un peu trop. Erilex, il s'appelle. T'as vu, même les noms des Pokémon sont fusionnés. Erilex. Mais vous donnez un surnom? Oui! Oui! Alors, c'est un mal. J'avoue que j'avais une idée de surnom, mais sachant que en même temps, on dirait un petit peu un hérisson Godzilla, un peu, parce que fusion entre Erisandre et puis Ambrilex. Non, t'inquiète, tu parles pas trop. Ouais. Mais là, j'avoue que j'hésite. Alors, Erisandre, Hérisson... Je vais pas l'appeler Godzilla, ça fait beaucoup trop simple. Hein, on est d'accord là-dessus. Kaiju. Ah, ce serait une idée, en vrai. En vrai, ce serait une idée. Non, parce que tu vois, à la base, comme c'était un hérisson, je voulais l'appeler Sonic, mais... Non. Mais Kaiju, en vrai, j'aime bien. Ouais, on va l'appeler Kaiju, allez. C'est parti. Alors, je suis un gogol, je cherche les lettres à chaque fois. C'est toujours comme ça. Voilà. Altéré. Et pareil, quand j'étais petit, je savais pas trop utiliser... enfin, altéré entre la touche majuscule et la touche minuscule. Du coup, j'avais des noms en majuscule. Encore des anecdotes. Hein. Kaiju. Ouais, j'avoue, c'est hyper stylé. Ok, Kaiju, bienvenue. Et Rilex. Utiliser les surnoms de Kaiju. Ouais. Ah oui, ça fait penser à... Ouais, les Kaiju japonais, là, c'est trop fort. Alors, c'est agréable de se promener avec son Pokémon. Comme ça, non? Continue comme ça jusqu'à la maison de Monsieur Pokémon. Si ton Pokémon se fait mal, soigne-le dans cette machine. Elle est très facile à utiliser. Pareil, par contre, je n'ai jamais utilisé la machine du Professeur Orm. C'est-à-dire que j'ai fait la plupart des gens. J'ai été au centre Pokémon, puis voilà. Tu n'as qu'à examiner le PC posé sur mon bureau. Monsieur Pokémon se promène un peu partout et ramène toujours quelques bizarres. Il appelle un peu au nord de la ville Griotte. Je te fais confiance, Thomas. Il y a le scientifique là qui va nous donner... Prends ceci, ça pourrait être utile. Une potion. Je sais plus combien il m'en donne. Au début, les Pokémon sont encore très faibles. Dès que tu te sens un peu en danger, utilise tout de suite une potion. Et du coup, même les Pokémon dans les hautes herbes vont être random et fusionnés. Même ceux dans les hautes herbes. Elle est toujours là, Silver. Hein. Enfin, c'est quand on va être parti qui va voler. Hé, Thomas, tu as reçu un Erisandre? Il s'appelle Erilex, mais bon,
C'est bien, c'est un super Pokémon. Si tu te promènes avec toi, comme ça, il va t'aimer de plus en plus. Retourne chez toi parfois pour lui parler. Retourne-toi parfois pour lui parler, pardon. Ah, tu dois le montrer à ta mère aussi. À plus tard. Prochain Poké, tu l'appelles Ado. C'est une artiste japonaise qui chante trop bien. Je connaissais même pas, tu vois. Est-ce que faut... Attends. Je m'en doutais. Il faut que j'aille voir ma mère. Ah, Thomas. Je suis pris dans l'excitation. Attends un peu. Ouais, elle me chope par le callback et elle te dit Eh, oh petit con, tu ne pars pas d'ici. Et ton Pokématos, ne me dis pas que tu l'as oublié chez toi. Demande à ta maman. Voilà. Hop là. Allez, donne-moi le Pokématos et je vais partir pour que je puisse partir définitivement. Ah, Thomas, quel joli Pokémon tu as avec toi. Le professeur Worm te l'a donné. Et alors, que t'a-t-il demandé? 36 points. Oh, ça a l'air compliqué, mais il te fait confiance. Il ne faut pas le décevoir. Ah, j'allais oublier. On a reçu le Pokématos que j'avais envoyé à réparer. Tiens. L'objet le plus chiant de ces versions. Le matériel à Pokémon, abrégé en Pokématos. Tous les dresseurs sérieux en ont un. Hein. Tous les dresseurs surtout qui veulent se faire harceler jour et nuit par ceux qui veulent te... Et te sert aussi à téléphoner. Tu te souviens comment ça marche? Oui, c'est bon. Il suffit d'allumer ton Pokématos. Je t'ai dit comment ça marche! Arrête de me l'expliquer! Grognasse! Le nom des correspondants. Bon, la ferme. C'est bon. Voilà. Non, mais Pokématos, l'objet le plus chiant, quoi. C'est-à-dire, en fait, oui, c'est utile parfois pour les dresseurs qui veulent faire des revanches dans les combats, mais c'est tout, quoi. À part ça, les dresseurs te racontent leur vie. Eh oh! La mère des jeux est inexistant. Ouais. Figure-toi que j'ai failli oublier de te donner mon numéro de téléphone. À part éventuellement le personnage comme ça. Il t'appelle pas toutes les 5 minutes pour te dire « Ah, gna gna machin, j'ai un trapeur à tata. » Allez, et téléphone-moi s'il y a le moindre pépin. Il dit ça, mais jamais dans le jeu il nous téléphone. Hein. Orme. Enfin, sauf au début du jeu quand il nous dit « Ah là là, il y a eu un vol au labo. » On va commencer par s'entraîner, hein, comme d'habitude. On n'a pas encore les chaussures de sport. Mais normalement, j'ai configuré tout. Voilà un Rontata. Oh, joli. Joli, ça. Rontata. Il est assez joli. Et regardez tout ce que j'ai. Regarde. Waouh, 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 waouh. C'est quoi ce move pool? Attends, bluff, j'ai pierre, rayon gemme, tombe roche. Ah bah là je te dis hein. Allez, on va te cancer, on va lui faire bluff. On dirait quelqu'un qui fait un bisou à quelqu'un là, genre. Allez, d'accord. Allez, j'ai pierre. C'est parti. Non mais c'est quoi ce move-pool? On est niveau 5. Oh wow 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 wow. Coup critique. Coup critique, mais wow 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 wow. On est niveau 5. Calme-toi. Non mais je veux dire, il a 4 capacités, coup critique. Non mais sérieusement, c'est quoi? On a bien fait de l'appeler Kaiju, hein, parce que là, il se déchaîne. Oh, regardez ça. La fusion entre, bah je sais pas, on dirait un peu Poichijon et... Passe rouge. Non mais comment j'ai pu oublier son nom? Ah là, ça va faire x4, hein, du coup. Ah là, ça va faire mal. Et voilà. Voilà, direct niveau 6. Alors je me fixais une règle. Quand j'étais petit, je crois que je me disais avant de... que j'atteignais au moins le niveau 10 avant de passer la première route. Mais là, ça va être trop long. Pas se poser Poichijon. Ouais, exactement. Bah voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore roux rouge. Tu vois, même les noms sont fusionnés, hein. Les noms des Pokémon. Ah, c'est vrai qu'il est stylé. Ah ouais, il a trop la gueule d'un Kaiju.
Dakaiju, son surnom lui va trop bien. Genre, niveau couleur, je trouve que ça lui correspond bien, genre, Kaiju, c'est son style. Bonjour, toi. Si tu veux faire une pause, n'oublie pas de sauvegarder ta partie. Voilà, il y a des PNJ comme ça qui te disent des trucs, mais ils ne servent à rien. C'était ça. Eh, par contre, les musiques de ce jeu sont insane. Ça fait trop du bien de rejouer à ce jeu, ça fait bien depuis... Je crois que la dernière fois que j'y ai rejoué, c'était en 2016. C'est pour dire, hein. Ah oui, parce que j'ai pas arrêté d'y rejouer, hein. C'est un jeu excellent. Avant que Ruby Omega et Saphir Alpha... Si Ruby Omega et Saphir Alpha n'avaient pas existé, et là je vais dire un... Je vais me faire des ennemis, je pense. Ces jeux-là, c'est les meilleurs remakes de tous les temps. Je suis désolé, voilà. Je l'ai dit. Si Ruby Omega et Saphir Alpha n'avaient pas existé, hein. Calme-toi. Hein, Ray, calme-toi. Mais voilà. Merci, j'ai de l'inspiration. Ouais. Bah, quand je ferai mon best-of sur YouTube, on saura que c'est toi qui l'as appelé comme ça. Non, mais c'est un monstre. On en parle du fait que j'ai un monstre, même pas niveau 6. J'ai pierre, bluff, tout ça. De quoi être cancer. Du coup, attendez, j'ai pas regardé les IV de mon Pokémon. C'est vrai que c'est très important, ça, de faire ça. Je devrais regarder son résumé. Ah, il a assuré de nature. Je sais plus ce que ça fait exactement. Assuré. Voyons voir. Ok. Il est pas... il est bon en défense. Son attaque, par contre, ça laisse à désirer. Il a fermeté! Ah ouais, le talent d'Ambrilex. Donc c'est bien ça. Bon, il n'a pas d'objet, évidemment. Donc, ouais. Ça va. Ah, je me rappelle plus sur ce jeu comment on fait pour voir les IV. Du coup, il va évoluer 5 fois, Kaiju. 5 fois? Alors, non. Les Pokémon sont fusionnés, leur ligne évolutive, je crois qu'elle ne change pas. C'est juste leur forme qui change. Mais elle ne change pas. Enfin, je crois. Je sais plus comment je fais pour voir les IV sur ce jeu. Parce que, en gros, là, on est les stats, mais on n'a pas les IV. Mais rappelle-moi, Ray, assuré, ça fait quoi? C'est quoi cette nature? Ça fait quoi déjà? Ça augmente quoi? 3G Forever, ouais. Si moi j'avais pas lu juste avant. Ok, bah il est pas mal. Pas mal du tout. Le Kaiju là, il est très prometteur. On va encore affronter un Poké avant d'aller à la ville Griotte. Oh! Quoi? Attendez. Fouinette? Mais son sprite est différent. Il est fusionné avec qui? Attaque plus défense. Ouais. C'est ce que j'ai cru voir, ouais. Il a juste un peu plus de couleur, mais Fouinette, quoi. Bah, il est tout nu, quoi. Allez, rayon gel. Ah, cette attaque, elle est super stylée. On en parle au fait du. On en parle aussi du fait que sur ce jeu, la plupart des attaques sont stylées de ouf. Je parle pour un jeu 2D, hein. C'est pas comparable avec un jeu 3D. Hein. C'est totalement différent. Ah, salut papy. Toi, tu débutes? Non, ça se voit. Moi, c'est pas grave. Tout le monde est un débutant, un jour ou l'autre. Ne crains rien, je vais t'apprendre 2 ou 3 trucs sur moi. Encore un tuto de merde dont on va royalement se foutre. Et je n'ai pas de rime, alors je vous emmerde. Voilà. Honnêtement, je vais pas lire tous ces dialogues, hein. Je m'en bats les races. Je m'en bats la race. Tout ça, je le sais déjà. Petit papy de merde, retourne faire tes mots fléchés à la maison de retraite. Ah, il y en a mérité, hein, je suis désolé. Oh, comme le voit, c'est la mer. Waouh, c'est la mer, waouh.
C'est incroyable, la mer. Parce qu'on vient tous de la mer, on est tous des poissons, les enfants. Sachez-le. C'est scientifique. Et là, c'est chez moi, je m'en fous. Donne-moi les chaussures de sport. Voilà. Sur le mode d'emploi, il est marqué... Allez, adios et à jamais. Alors, je peux directement les activer en cliquant sur la souris. C'est ce que je faisais, moi, quand je jouais au jeu à l'époque. Comme ça, ça m'évite d'appuyer sur X. Voilà. Allez. I am Sonic. Sonic the Hedgehog. Bah, il y a un Hedgehog en plus derrière moi. Et le voilà. J'ai pu te rattraper. J'ai oublié de t'attraper une chose à t'offrir. Blablabla. Voilà. Un papy qui court, ça me fait gueulerie. Mais totalement vrai. Eh, mais rigole, mais il y a des personnes âgées qui s'entretiennent très bien en faisant la course, en faisant du sport, et c'est comme ça qu'elles arrivent à vivre vieilles. Et là, c'est pas une blague, hein, parce qu'ils entretiennent leur corps, tout ça. Route 30. Surtout qu'on va pouvoir rencontrer mieux les Pokémon comme ça. Ça, c'est quoi là? Alors voilà le pigeon. Lui on le martyrise hein, parce que j'ai de pierre x4. Flora est plus rapide. Ouais, en effet. Mais Flora n'est pas dans le jeu. Ouais. Il y a eu un écran noir, là j'ai cru que ça allait planter. Mais non. Heureusement tout va bien. Tant que je n'ouvre pas d'autres fenêtres à côté, tout va bien. Ah mais oui, j'y pense. J'ai oublié de mettre le sprite. Attendez, je vais régler ça, attendez. D'abord, je vais mettre KO ce roux rouge. Je vais penser à mettre le sprite. Alors. Je m'occupe de mettre le sprite. Attendez. Là. Ça vient, hein, 2 secondes, je prends le temps de chercher l'image. Elle est sur mon bureau. Et ce qui fait que du coup, j'éviterai d'aller sur internet. Il faudra que... Alors attends. Alors évidemment, hein, c'est pas un sprite de hérisson fusionné, mais c'est quand même un sprite. Voilà. Alors attendez. Ouais, c'est normal que ça freeze. C'est normal que ça freeze. Attendez. Voilà. Alors, on va un petit peu le décaler. Voilà. Là, c'est bien. Là, c'est bien, voilà. Là, normalement, vous avez le sprite. Et hop. Alors, vous avez le sprite de mon tout petit hérissandre, tout mignon. Oui, j'adore Hérissandre. Je ne veux rien entendre. Hérissandre. Bon. Pour moi... Je vais encore me faire des ennemis, mais pour moi, Hérissandre, meilleur starter de G. Voilà, je l'ai dit. Allez, hop. Je déclenche une guerre dans le chat. C'est pas grave. Alors, apparemment, Ryuji n'est pas là. Tant pis. C'est pas grave, il y aura peut-être la rediff. Cool, niveau 8. Kaiju. Ah, imagine quand ça va être un furisson. Par contre, ça va être un furisson infect. Ça va être quoi le truc? De toute façon, on va le découvrir en même temps que vous. Hein. Bonjour, monsieur. Ah, tu as des chaussures de sport, c'est agréable de courir avec. Mais quand tu cours, tu fais du bruit et les Pokémon sauvages te remarquent plus facilement. Ouais, c'est ça le truc. Coucou. Noix grumier. Hop. Vous n'avez rien pour le ranger. Ah bah oui, c'est vrai. Je suis con. Je peux pas les cueillir si j'ai rien pour les ranger. La plupart des gens qui viennent ici se trompent et cherchent en fait Monsieur Pokémon. Mais toi, tu es vraiment là pour me parler à moi? Oh, c'est vrai, vous serez gentil. Bien, dis-moi, tu as déjà des noix grumes? Les noix grumes, ce sont des fruits qui poussent sur les noix grumiers une fois par jour. Je les cultive. C'est bon, les noix grumes. On peut en faire des Pokéballs et plein d'autres trucs. Bref, c'est très pratique. C'est très utile, même. Je suis tellement content que je t'offre ceci. La boîte noix grumes. Avec cette boîte noix grumes, tu pourras garder plein de noix grumes sur toi. La cueillette n'aura bientôt plus aucun secret pour toi.
Ah, c'est un plaisir encore une fois de redécouvrir ce jeu. Et là en plus, comme ça en random, on va avoir de nouvelles surprises. C'est comme découvrir un nouveau jeu. Bon, l'histoire et les intrigues ne changent pas forcément. Hein. J'ai vérifié, il va évoluer 6 fois, Kaiju. Ah ouais? Ah, c'est peut-être moi qui me suis trompé. Oh, sucre ghoul. Oh, il est marrant celui-là. Ah, il est beau. Il est pas mal. Quoi, du coup, Volfé? Volfé? En vrai, ça pourrait être un Pokémon intéressant, si on avait des Pokéballs. Mais malheureusement, pour l'instant, on n'en a pas. Mais si on en recroise, on en recapture un, je pense. Sucre ghoul. Bah, pour le coup, on dirait vraiment qu'il a du sucre sur lui. Du sucre sur lui qu'on aurait envie de lécher. Sorry. Alors. Les roues rouges. En tout cas, il y a plus d'espèces de Pokémon que dans le jeu original. Ça, faut bien l'admettre. Faudrait pas que je crache sur l'écran quand même. Du coup, je mettrai les sprites au fur et à mesure. Mais en même temps, je ferai attention, hein, parce que sinon, ça a fait laguer le jeu. Donc je ferai en sorte d'avoir les sprites avant sur mon bureau. Antidote. Et là, on peut pas passer parce qu'il y a le combat contre les dresseurs, machin. Allez, Ratata, charge! Tu veux quoi? On est en plein combat. Va voir ailleurs. Voilà. Ah, excusez-moi, j'ai une notif sur mon téléphone. C'est quoi cette notif de Snapchat en gros? En gros, j'ai eu une notif Kurdistan. Ok, mais bah les couilles en fait. Je veux voir ce qu'il y a d'autre dans les hautes herbes. Oh! Ah! Il a le cri de Crisacier, mais c'est Sucrocoups. Du coup, c'est l'évolution de. Attendez, niveau 4, on peut rencontrer un Sucrocoups. Pas mal du tout! Stylé. Par contre, il a le cri de Crisacier. On en parle du fait que parfois... Bon, allez. Allez, on va le faire monter niveau 9 avant d'aller chez Monsieur Pokémon. Allez, on y est presque. Voilà, c'est l'évolution de lui. Alors, je dis juste une chose, je vais me limiter à... Je vais faire en sorte que le live s'arrête à 18h. Parce qu'après, c'est pour éviter de faire trop bugger. Et aussi, comme ça, pour avoir des rediffusions qui ne dépassent pas les 2 heures. Donc, je sais pas jusqu'où on ira. Peut-être jusqu'à la tour de Rosalia. Enfin, pas la tour de Rosalia, non. La tour Chétiflore de Mauville. Je crois déjà à Rosalia, alors qu'on vient à peine de commencer. Vous avez vu ça? On va être à peine niveau 10. Avant de revenir au laboratoire. Excusez-moi, j'ai ouvert les notifs alors que c'était pas ça du tout que je voulais. Rayon gemme. Kaiju. Sucrocoups, c'est trop stylé. Ouais, on est d'accord. En plus, il doit être Volfé. En vrai. Allez, hop, on y entre. Avec Shen, là. Bienvenue, tu dois être Thomas. C'est moi qui ai envoyé cette lettre au professeur Orme. Voilà ce que je voudrais que le professeur Orme examine. Alors du coup, la question c'est... Qu'est-ce qui va sortir de l'œuf? Une de mes connaissances de Rosalia m'a confié cet œuf. Qu'en dis-tu? Tu as déjà vu une chose pareille? Je suis sûr que le professeur Orme saura ce que c'est. Il étudie les évolutions de Pokémon. Personne ne s'y connaît mieux que lui. C'est du moins ce que dit le professeur Shen, une célébrité lui aussi. Tu retournes voir le professeur Orme. Avant d'y aller, laisse ton Pokémon se reposer. Ah là là. Tellement jouissif. Bien, je suis le professeur Shen, chercheur en Pokémon. J'essaie d'imiter sa voix de l'animé. Tu t'appelles donc Thomas? J'étais venu rendre visite à mon ami Monsieur Pokémon. Et voilà que le jeune Orme me dit qu'il venait d'envoyer quelqu'un. Je suis donc resté pour t'attendre.
Oh, oh, tu te promènes avec un Pokémon peu commun. Je vois, tu aides Orm dans ses recherches. Je crois que je vois pourquoi il t'a confié ce Pokémon. Il était sûr que tu en prendrais le plus grand soin. Ah, justement. Tu es vraiment digne de confiance, je vais te demander un service. En fait, regarde ça. C'est un nouveau modèle de Pokédex. Il enregistre automatiquement les données sur les Pokémon rencontrés. Et crée lui-même de nouvelles pages. Et j'ai envie de te le confier. Hop, le petit Pokédex qui apparaît en bas. Rencontre un maximum de Pokémon et complète ce Pokédex jusqu'au jour. Ah! Et je... Je l'ai mal fait le A. Ah. Je suis attardé. Je dois aller à Doublonville pour mon émission de radio. Thomas, je suis sûr que nous nous retrouverons bientôt. Mais pour parer à toute éventualité, je vais te donner mon numéro de téléphone. Voilà. Pareil, il me recontactera jamais, je crois. Chaîne. Si je dis pas de bêtises. Allez. Belle imitation. Merci. Voilà. L'appel du professeur Homme. Allô, Thomas? C'est terrible. C'est affreux. Que faire? Oh non. Reviens vite. Allez, Thomas, la rescousse. Mais d'abord, noix grumes. Je cueille tous les noix grumes. En fait, je me pose pas de questions sur les noix grumes, je les cueille. Et après, je regarde combien j'en ai. Et ce que j'ai comme noix grumes. Pour s'entraîner un maximum, on va pas fuir les Pokémon sauvages. À chaque fois, on va les mettre KO. Du coup, Silver, il va avoir pris le Kaiminus Soloshi. Je me demande comment ils vont fusionner son nom, peut-être Kailoshi. Kailoshi, peut-être. Ah, peut-être, je suppose. J'ai hâte que tu aies des Pokéballs. Moi aussi. Moi aussi. Mais ça ne fait que commencer, hein. Dis-toi que tout le jeu est comme ça. C'est en random. Ouais, on reconnaît la queue d'Ambrilex derrière. C'est bien parce que toi, tu as reconnu, alors que moi, j'aurais pas forcément reconnu. On pourrait passer dans le désert, mais regardez. Hop. C'est ce qu'on appelle le chemin de la facilité, les enfants. Alors du coup, Ray, je sais pas si t'as vu sur Discord le message que j'avais envoyé. Mais en gros, j'avais envoyé un message pour dire... Ah, d'abord la cinématique avec Silver. Toi, t'as reçu un des Pokémon du laboratoire? Quel gâchis de le donner à une mauviette comme toi. Quoi? Tu ne comprends pas quand je te parle? Non, c'est juste que je m'en bats les couilles de ce que tu dis. Je t'ai cassé. Tu me laisses pas le choix. Moi aussi j'ai un bon Pokémon et je vais te montrer comment on s'en sert. Aucun problème, poteau. Ça se voyait avec la couleur et la corne. Ouais, mais parfois, on peut ne pas... Voilà, Kaioshi. Kaioshi, voilà, j'avais raison. Kaioshi, il s'appelle Kaioshi. Bah, du coup, il est quoi? Dragon, eau. Allez, bluff. On va être cancer, moi je le dis. Pourquoi se priver? Oh, les dégâts. Les dégâts de bluff. Mais what? Allez, maintenant on va faire rayon gemme. Par contre, je pense qu'on est de type feu et roche, c'est ça? Donc ça veut dire qu'une attaque haut et on est mort. Je suppose bien, je pense. Voilà. J'avais dit qu'on atteindrait le niveau 10. Bah, on l'a au niveau 10. Fléau. En vrai, c'est une bonne attaque, mais on l'oubliera très vite. Ah non, on a que de très bonnes attaques. Hein. En fait, le truc, c'est qu'avant, on apprenait toutes les attaques, parce que toutes les attaques qu'on apprenait au début étaient nulles. Mais là, on a de bonnes attaques dès le début. Alors, c'est la joie? Ouais. Tu veux savoir qui je suis? Eh bien, je suis l'homme qui deviendra le plus grand dresseur de Pokémon du monde! Et bla. Rends-moi ça! Je l'ai fait tomber! C'est ma carte de dresseur! T'as vu mon nom?
Et moi, je vais aller le dire, ouais. Moi, je suis un rapporteur, moi. Non, c'est pas vrai du tout, en plus. Feu roche, ouais. Donc, si on prend une attaque... Oh, on est mort. Voilà. Donc, il va falloir quelque chose pour gérer les Pokémon. Oh. Peut-être un type plante. Ou un type électrique. Bref. Quelque chose. Non, pas de type électrique. Parce qu'on aura deux Pokémon faibles au type sol. Donc, il faudra un type plante. Allez, parce que quadruple faiblesse... feu. Quadruple faiblesse eau. Quadruple faiblesse sol. C'est comme par exemple le starter dans Pokémon Uranium, Raptorch. Il est de type feu et sol. Mais ils ont tous un double type. Par contre, il y a un truc qui me stressait quand j'étais petit. Ça fait un bruit ultra violent quand tu rentres dans les hautes herbes, genre TAN! Là. Et quand j'étais petit, j'étais quelqu'un de... Bon, ça se voit que je suis quelqu'un de pas très patient, pas du tout. Ça avait tendance à me stresser quand je voulais, par exemple, traverser les hautes herbes sans rencontrer de Pokémon. Mais j'avoue, aujourd'hui, ça va. Allez. On retourne au laboratoire parce qu'il s'est fait... Eh ben non. Bah tiens, on le croise plus, le ratata de tout à l'heure. Je ne recroise que des pigeons. Des pigeons qui ont fait l'amour avec des rouges-gorges, mais des pigeons quand même. Voilà. T'inquiète, moi non plus, je suis pas patient. Bah oui, je le sais bien. Hein. Allez. C'est parti, on va voir l'inspecteur, l'inspecteur d'Eric. Enfin, je veux dire, il revient d'eau sur le lieu du crime. Qui es-tu, toi? Je suis là pour enquêter sur le vol de Pokémon qui vient de se produire ici. Première règle de l'enquêteur, le coupable revient toujours sur le lieu du crime. C'est donc toi, le coupable. Vous imaginez si on avait des juges comme ça, en France. Un instant, il n'a rien à voir avec ça. Moi, je sais, il y avait un garçon avec des cheveux tout rouges qui espionnait dehors. Ouais, tu l'as vu comment il était en mode « Je crois bien que j'ai fait une connerie, là. Je me suis fait remettre à ma place par une gamine de 10 ans. » Et alors, tu as battu ce garçon? Ce serait donc lui le coupable? Il t'a dit son nom? Alors, moi, je vous rappelle que quand j'étais petit, je lui avais donné un nom, mais là... En fait, quand j'étais petit, je l'avais appelé Ryder. Mais là... On va faire comme toi, on va l'appeler Silver, je pense. À moins que t'aies un autre nom à me suggérer. Tu vas à la Japan Expo dimanche? Je sais pas où c'est la Japan Expo. Donc, je ne pense pas, c'est pas été prévu. Je sais pas où c'est la Japan Expo. Bon, bref, comment on l'appelle, Silver? Policier en carton, bah oui. Comment on l'appelle, Silver? Comment on l'appelle? J'ai envie de l'appeler comme si ça avait suggéré lors de ton live. Je suis désolé, hein, mais... Je suis désolé, Silver, mais franchement... Il y en a qui disent, ouais, c'est un rival, stylé, stylé... Moi, j'ai pas gagné, j'ai pas gardé ce souvenir-là. Hein. On n'a pas connu le même Silver, hein, les gars. Cassos. Ouais, on va l'appeler Cassos. Voilà. Non, Silver, trop tard. Oh mince, ma main a touché la touche. Désolé. Oh, oh mince, oh non, c'était non que je voulais mettre. Ah, oh, je suis désolé. Merci de ta coopération. Nous devons donc maintenant poursuivre ce suspect aux cheveux rouges. Il faut que je branche ma batterie. Hein. Attends une seconde. Ah, ah, je trouve plus mon chargeur. Ah bah il est là. Il est là. Ça a frisé, c'est normal. Allez. Heureusement que les soupçons sur toi se sont vite dissipés. Allez, à plus. À plus. Ah, quelle tragédie. Au fait, quelle était la grande découverte de Monsieur Pokémon? Et voilà. Eh bien, c'est un œuf, non? Certes, j'en ai jamais vu de semblable, mais ce n'est pas une raison pour en faire tout un plat. Les autres Pokémon de nos jours, c'est plus si rare. Mais bon, c'est quand même un œuf. Peut-être qu'il cache un secret.
Bien, je vais le garder ici pour l'examiner. Hein? Le professeur Chen t'a donné un Pokédex? Thomas, c'est vrai, c'est formidable. Le professeur Chen a l'œil pour discerner le bon dresseur plein d'avenir. Ah, eh bien, je pensais bien que tu n'étais pas comme les autres, mais ça dépasse mes prévisions. Le Pokémon que je t'ai donné a l'air de s'être déjà attaché à toi. Bien. Et si tu partais à la conquête des arènes dans chaque ville? Et si tu réussissais à battre tous les champions, tu pourrais défier la Ligue Pokémon? Je plaisante. Ce n'est pas si facile d'être maître. L'arène la plus proche est celle de Mauville. Fort comme tu es, tu devrais pouvoir t'en sortir. Oh bah, avec mon Kaiju Roche, je peux te dire, hein, le Roucoups d'Albert, ou peu importe, c'est peut-être le Sucre Roucoups, il va pas faire long feu. Jeu de mots. Thomas, le chemin qui passe par toutes les arènes sera long. Avant de partir, tu devrais aller parler à ta mère. Alors attendez juste une seconde. Je pense que le chat a bugué. Il faut que j'y retourne. Ah non, c'est bon, t'as pas envoyé d'autres messages. Mais bon. Mais je comprends maintenant ce que tu voulais dire parfois quand le chat bug. Parce que moi, ça me l'a fait là. En gros, l'écran avait frisé. Et si t'avais envoyé un nouveau message, peut-être que je l'aurais pas vu. Bon, allez, maman, je vais partir à l'aventure et ne jamais revenir. Oh, tu pars à l'aventure? Très bien, je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Par exemple, je sais, chaque fois que tu gagneras un peu d'argent, je le garderai pour toi pour t'aider à économiser. Tu vas vivre un long voyage, alors tu dois faire attention à ton argent. Et tu dois aussi faire attention aux intempéries parce que tu vas vivre comme un SDF. C'est ce qu'on dit pas dans Pokémon. C'est ce qu'on dit pas. Alors, tu veux économiser? Ouais, ça pourrait toujours servir. Parfait, laisse-moi faire. Fais attention à toi. Les Pokémon sont tes amis. Alors, par contre, on est d'accord que c'est une vraie connasse, hein, la maman, parce qu'elle te dit qu'elle économise ton argent, et puis parfois, elle t'appelle en disant « Désolé, j'ai dépensé ton argent de poche en achetant des trucs. » Bon, d'accord. En général, ce sont des trucs utiles, mais je veux dire, ouais, c'est moyen, quoi. Tu connais le sens du mot « économiser », maman? Je ne pense pas. Ah, la capture des Pokémon. Allez, hop. Ah, enfin! Thomas, tu sais, avec une Pokéball, tu peux attraper des Pokémon sauvages. Suis-moi. Alors, du coup, je sais pas si t'envoies un nouveau message tonnerre, là, parce qu'en gros... Voilà, comme ça. Hein? Tu n'as pas bien vu? Bon, je vais le refaire, approche. Bon, en attendant d'avoir le tuto, moi je vais pouvoir fermer ça et revenir ensuite. Marie les vigorotes, Marigotte. Marigotte. Sport coton, carrément. Marigotte sport coton, eh ben voilà. Marigotte. On est surpris, hein. Il y a des surprises. Normalement, on connaît pas les mots économisés, ouais. Bien, j'ai fait baisser les PV et il est prêt pour une Pokéball. Excuse-moi, hein, là le chat buguait, je savais pas si t'envoyais un message ou pas. Donc j'ai quitté, je suis revenu. Mais apparemment, ça avait pas bugué. Marigotte. Ça me fume. En vrai, ce bleu, ça lui va bien. Par contre... Marigotte, c'est quoi ce... Non. Monétisation, hein. Voilà. Et voilà, comme ça. Si tu les affaiblis encore ou que tu les endors, ils seront encore plus faciles à attraper. Maintenant, à toi. Fais tes propres expériences. Tiens, prends ça. Pokéball. Et je crois qu'elle m'en donne 5. Ouais. Allez, bonne chance. Voilà. Alors, je sais pas si le pigeon, en gros, est dans cette zone. Eh, Fouinette, vraiment, il est tellement coloré, on pourrait croire qu'il est shiny, limite. Mais non. Il est juste normal. Un fils de Jean-Marie Le Pen, non. Hop, 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 hop. Bon, ça va. La monétisation accepte qu'on utilise... Ah bah non, je suis pas monétisé, je suis con.
Mais bref, faudrait pas que je me fasse des ennemis, pour l'instant. Alors c'est pas lui qui m'intéresse. Ah oui, on n'a pas été sur la route 46. J'y pense, sur la route 46, il y a plus de Pokémon. Il y a plus de Pokémon sur la route 46, on va y aller. Voilà, c'est exactement ça. Tu veux sentir des hautes herbes juste au dernier carré d'un Pokémon qui apparaît, quoi. Bon d'accord, je veux bien s'entraîner, mais là il faut pas déconner. Non. C'est bon, je suis niveau 10, il est niveau 2. Allons à la route 46, voir ce qu'il y a. Alors voyons. Oh, Mélancophée. Ah mais il est stylé lui. Waouh, pas mal, pas mal, pas mal du tout. Ah bah non, c'est vrai. Ombre portée. Oh my god. Comment je vais faire pour... Attends, mais comment je vais faire pour l'attraper? Je suis niveau 10. Si je lui fais jet de pierre, je vais le tuer. Qu'est-ce qui est moins puissant en vrai? Jet pierre, tombe roche, rayon gemme. Attends, je vais le tuer. Ouais, il est incroyable, mais... Bon, tant pis, j'ai pierre. Hein. En plus, il a ombre portée. Oh, ah non. Il est pas feu? Ah non, mais je l'ai quand même mis KO, voilà. Putain. Il fallait qu'il soit spectre, évidemment. Bon, tant pis. Il était assez stylé. De toute façon, il y a bien d'autres choses. Mélancophée. Un coffee, messieurs dames. Tata. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, c'est... C'est hérissant, voilà, c'est ton cousin, Kaiju, c'est ton cousin. Noctindre. Noctalie et Hérissandre, waouh. Mazette. Oh, il est trop beau, je le prends. Ah, je vais en avoir, j'en ai rien à foutre, je vais avoir deux Pokémon feu dans ma team, je m'en fiche. Attention, empêche d'avoir peur. Il a l'attention, tant pis. Ah, il a tourbissable. Attends, il est type quoi? Il a tourbissable? Il serait type feu et ténèbres, je sais pas. En tout cas, je m'en fous, si j'ai deux types feu dans la team, je le prends celui-là, hein, c'est sûr. Je le prends. Ah, moi, je suis un fanbot d'Hérissandre. C'est parti. Hop là. Et lui, par contre, lui... Voilà, attention. Type feu et ténèbres. On le remarque généralement pas, mais tout. Mais nous sommes en fait tous entourés par des colonies de racailloux. Ouais, parce qu'on a entendu son cri, il a le cri d'un racailloux. Oui, on va donner un surnom. C'est une fille. Vous voyez d'ailleurs le sprite racailloux est resté. Alors, moi je sais déjà comment je vais appeler. Bah du coup je peux mettre un autre sprite d'Hérissandre, je mettrai un sprite de Noctalie. Ah bah non, attends. C'est une fille, donc je vais pas l'appeler Sonic. On va l'appeler la petite amie de Sonic. Amy. Même si honnêtement, elle ressemble pas trop à Amy. Hein. Mais on va dire que c'est sa cousine, ok? Je sais pas si c'est écrit comme ça, Amy, mais tant pis. Voilà. Yes. On a bien fait de rester dans cette zone. Au début, je n'y croyais pas. Mais bon, je pense qu'il y aura rien d'autre. Du coup, on va la mettre en première position pour l'entraîner. Ah, c'est incroyable, franchement. Vous voyez, on peut même trouver des fusions des starters.
C'est génial. Ah non, il n'y a pas la case soignée encore, c'est vrai. J'avais oublié. Allez, on utilise la potion sur, sur Amy. On va faire les techniques du j'affronte les Pokémon, mais finalement je m'enfuis. Regardez, il y a le sprite de Rakaillou derrière. Ils ont la flemme de changer les sprites qui nous suit derrière. Mais bon, tant pis. Tant pis. Il aime le beau temps, on dirait. Ouais, mais si je l'avais appelé Amy Rose, ça aurait pas. Ça l'aurait pas fait vraiment. Il était pas rose. Bon, c'est pas Rakaillou derrière. Alors, en fait, j'aimerais ajouter le sprite de Noctaline, mais. J'ai peur que le jeu plante. Bon, alors, attendez, je vais faire un truc. Je sauvegarderai après, dans ce cas. Pour jouer la prudence. Oui, j'ai deux hérissandres. Pardon. Comment ça, mon ref? Comment ça, Fouinette dans Slam? Oh, tu vas te calmer, hein. Dis donc. Là, je connais tous ceux qui sont adeptes du Nuzlocke, qui seraient en train de se pisser dessus, là. Amy Black alors? Ouais, Amy Black peut-être. Oh, j'aimerais du côté obscur. Bah c'est où? Bah c'est juste à côté là. Attends, je vais voir les attaques là quand même. Stridoson, punition, tourbissable et fou follet. Oh, les attaques bien cancer. Faut dire que Amy, elle est passée du côté obscur là. Pour le coup, elle est vraiment passée du côté obscur. Non mais le Fouinette dans Slam par contre, Babil, c'est quoi ça? Il vient de faire une attaque que je ne connais même pas, Babil. Ça existe ça comme attaque? Ah, oups. Bon, pas de panique, hein. Parfois mon PC fait ça. Le son, il peut faire ça. Mais ça n'a pas planté. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais de suite sauvegarder au cas où le jeu planterait. Et je vais aller chercher le sprite de Noctalie sur internet pour l'ajouter. Là, on sauvegarde comme ça si le jeu plante. Sauvegarde de beaucoup de données. Ouais. Ah, c'était long! Alors, ça lag, désolé si ça lag. Je vais ajouter le sprite. Il suffit que j'aille sur mon truc. Voilà, là j'ai le sprite de Noctalie. J'ai plus qu'à le mettre sur le bureau. Alors, si je fais ça, copier l'image. Bah, le jeu là va me détester. Mais tant pis, hein. Là, c'est pour importer le sprite. On va le voir si ça le fait. Attends. Apparemment, il faut que je fasse comme ça. Voilà. Hop. C'est bon, je quitte. Voilà. Allez, on ajoute le sprite. Évidemment, je couperai tout ceci au montage. Hein. Voilà. Voilà, attendez une seconde.
On va un petit peu le décaler, là, comme ça. Et voilà. Voilà, c'est bon. Le sprite est ajouté. Est-ce que le jeu ne va pas crash? Espérons. C'est bon, il n'a pas crash. Il n'a pas crash, tout va bien. Parce que je n'ai pas un ordi de fou, hein. On l'a expliqué, d'ores et déjà. On va entraîner notre Amy. Alors, en vrai, est-ce qu'on aura le temps d'aller jusqu'à la tour chez Tiflor? Regard noir. C'est la pire chose que tu pouvais faire, mec. Parce que regarde, t'es un pigeon de feu. Au revoir. Non, mais parfois ils sont un peu cons, les Pokémon sauvages. Ok, donc ça va, je peux aller chercher un truc sur internet. Le sprite. Et c'est bon. Maintenant, en route. Et on dirait vraiment que... On dirait vraiment que j'ai une boule de merde qui me suit. Ah, je suis désolé, hein, mais... Le sprite de Rakaillou, hein. Alors, on sait qu'il a regard noir. Du coup, c'est assez intéressant à savoir. Il chauffe mon PC, hein. J'espère que ça va aller. En chair. Voilà. J'aurais peut-être dû aller au centre Pokémon. Je prends peut-être la confiance parce que je vais monter niveau 11 déjà, ouais. Non, allez, on continue comme ça. Yes, niveau 4. Brouhaha. En vrai, c'est bien, Brouhaha. En vrai, qu'est-ce qui est le moins utile entre tout ça? Je dirais que c'est Stridoson, hein. Stridoson, ça... Ah non, ça réduit fortement la défense spéciale, donc c'est quand même très utile. Feu follet, c'est aussi utile. Tourbissable, en revanche. Tourbissable, oui, on peut l'oublier par contre, ça. Force aura caillou. Je suis désolé, mais attends. Regarde. C'est... Attends, je... C'est bon, j'ai réussi à fuir. Non mais... Regarde, c'est... C'est du caca, je suis désolé, c'est du caca, c'est de la merde. C'est de la merde. Là, le sprite qui me suit, c'est... Il est moche. Pauvre Rakaillou, miskin. Ah, salut. Voilà, premier combat dresseur. Je viens de perdre, dur à avaler. Ouh. Avaler quoi, mec? Mais bon, je cherche de nouveaux Pokémon. Par contre, toi, t'as plus le tolère faible, c'est décidé. Combat. Bah quoi, il est Mimps. Farouk. Gamin Farouk. Est-ce qu'on tenterait pas de faire un feu follet? J'ai envie de faire un feu follet, juste pour emmerder le monde. Je sens que je vais être le mec cancer dans ce jeu. Ok. Protection. M'en fous, je t'ai brûlé. Donc tu peux plus rien me faire. Ah bah non, il est fait, je crois. Oui, il doit être fait. Je sais pas s'il y a le type fait dans ce jeu. J'avoue que je ne sais pas. Est-ce qu'ils l'ont ajouté? Comme c'est une Acrom, est-ce qu'ils ont ajouté le type fait? Peut-être, hein, je sais pas. Parce qu'il peut pas être normal et normal. On est d'accord. Donc à mon avis, il est sûrement type fait. Tant pis, on n'a pas testé. Mais voilà. Et c'est qui est faible? Ah oui, t'as un Pokémon niveau 4, j'ai un Pokémon niveau presque 11. Ben voilà, 11. Alors c'est qui le faible? Ah, plus un seul Pokémon en état. Tu veux pas me donner ton numéro? Comme ça, si tu veux qu'on se recroise pour un combat, allez hop, un coup de fil. Si c'est seulement pour un combat, oui.
Mais j'évite d'enregistrer trop de personnes maintenant, parce que je sais que sinon ils m'appellent en général pour rien. Allez hop, un coup de fil. Oui, ils l'ont ajouté. Ah, donc, t'es un dresseur, non? Alors, combat! Oh, rouge! Oh, oh! Oh, rouge! Ouais, puni! T'es sorti sans autorisation, rouge, donc je te punis. Comment ça, avec son regard noir? C'est pour ça que ceux qui veulent faire ce jeu en Nuzlocke, c'est chaud. Apparemment, de ce que j'ai entendu dire, c'est chaud. Bah, c'est cool, ça, il a été ajouté. Et voilà, comme ça, Amy gagne de l'expérience. Rontata. On continue. Il est niveau 5. Il est niveau 4. Ça va. C'est risqué ce que j'ai fait, mais on va voir. Ah, ça va. Ça fait plutôt bien les dégâts. Amnésie. C'est pas possible. Mais c'est quoi ces Pokémon? Je savais que ce jeu était random, mais là... Putain. Amnésie, protection, mais... C'est casse-couille. Pas de bête pour lui, il va augmenter à chaque tour. Non, je lui fais rien. Par contre, lui, il rate son attaque. Chien. Voilà. C'est bon. Niveau 6, Amy. Oui, donc du coup, ta team a craqué. Ouais, ma team, elle est craquée pour le moment, en effet. Mais si on tombe face à un Pokémon haut, on est dans la mouise. C'est ça un petit peu, il faudrait trouver un Pokémon plante. Je sais plus si la file. Non, je pense pas qu'elle me fait un combat à elle. Ah, le voilà, Sucre Coups. C'est lui que je cherchais. On va faire feu follet. Puisqu'on peut avoir un Sucre Coups directement, autant la. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a fait quoi le Sucre Coups? Il a fait quoi le Sucre Coups là? Qu'est-ce que t'as osé faire? Quoi? Il était pas typé. Tuez-moi. On peut parler de la giga connerie là que je viens de faire. Hein, Ray, franchement. Je suis pas dresseur, mais sache que si tu croises le regard d'un autre dresseur, tu dois le combattre. Merci, bouffonne. Il est de type psy. Il est de type psy, il est pas de type fée. Bon bah du coup ça me servira à leçon hein. J'espère en tout cas, je suppose. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va laisser la boulure le tuer à petit feu hein. Mais quel mongol, je te jure. Non mais je connais pas les types des Pokémon, c'est pas ma faute. C'est pas évident pour ma défense. Je ris tellement ma propre connerie que je suis prêt à en pleurer. Ah là là. Aïe. Il a Aéroblast. Non mais attends. Oh.
Oh! Oh! Mais qu'est-ce que c'est que cette... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh non! Oh non! Yes! C'est la fête, hein! C'est la fête ce combat, les amis! C'est la fête! Allez, 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 allez! Et t'as intérêt à rentrer! Allez! Rentre! Oui! Non mais c'est quoi ce bordel? Il m'a balancé à Aéroblast! Lugia sort de ce corps! Mais oui, c'est tout à fait ça! Voilà, il est Volpsy! Mais il m'a balancé à Aéroblast! Sucrocool m'a balancé à Aéroblast! Non mais attends, et par contre, on dirait pas qu'il a le turban d'un sultan sur la tête? Je vous jure, on dirait... les émirs un peu. Alors, c'est un mâle. Comment on va l'appeler du coup? Il était un petit peu sage comme oiseau, on aurait dit ouais. Aéroblast. Ah, ça, pour ça, il mérite qu'on le prenne. Hein. Ne serait-ce que pour le Aéroblast. Même les attaques seront random, vous voyez. J'avoue que j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée de surnom, là. À vous de m'en proposer, les gens. Alors, qu'est-ce que ça dit sur le chat? Et t'inquiète, hein, je te laisse le temps d'écrire. Prends ton temps. Et... parce que c'est vrai. En fait, mais on dirait trop qu'il a le turban d'un sultan sur la tête. C'est ça qui me perturbe un peu. Bon, alors on l'appelle comment? On l'appelle comment? Est-ce que t'as une idée? T'as une idée, Ray? Moi, pour l'instant, je ne sais pas. J'avais le nom d'un sultan qui m'est venu dans la tête, mais non, il faudrait quelque chose d'original. Plus original que ça. Je suis en train de penser. Barbe rose. Hey, c'est bien ça. Pas mal, bien trouvé. Mais il a pas de barbe. Enfin si, il a une barbe. Je sais plus. Bref. Ah ouais, ça fait genre barbe rose. Et puis oui, en même temps... Mais faut aller chercher la référence loin. En fait, j'ai dit que son truc ressemblait à la... au turban d'un sultan. Faut savoir que... pour ceux qui connaissent un peu l'histoire... je vais faire mon cours d'histoire. Allons-y, cours d'histoire du professeur Thomas. Il y avait un corsaire, ou un pirate, pour les chrétiens, qui s'appelait Barberousse. Et qui était au service de l'Empire Ottoman. Donc, Barbe Rose, c'est bien. Il n'y aura pas la place pour espacer, je pense. Donc, on va faire ça. Donc, Barbe Rose, c'est très bien. C'est le corsaire, et là. Ah, il y avait l'espace pour espacer. Bah, je préfère quand c'est collé comme ça, je trouve que ça fait plus classe. Ou pigeon rose. Bof. Barbe Rose, c'est bien. Allez, hop. Barbe Rose. Corsaire. Tiens, je cherchais des Pokémon insectes et je trouve un dresseur. Genre Raoul. Un Sucrocool encore. Ok, bon, on peut s'en occuper. Attends. Voilà, on sait qu'il est type psy maintenant. Donc, autant ne pas s'en priver. J'ai du mal à me remettre de ma connerie. Encore un Sucrocool. Bah on va nous envoyer notre propre Sucrocool. Ah bah non. Il est brûlé. On a oublié de le soigner. Ah je suis trop con. Je suis trop con. On a oublié de le soigner. Bah du coup non, on laisse Amy. Hein. Allez tant pis, on va user notre dernier PP. Et on va... on repousse chemin vers le centre Pokémon. Ah ouais! Le sprite. J'allais oublier le sprite. Du coup, on va mettre le sprite de Rookool. Je pense que c'est mieux de mettre le sprite de Rookool. Bon, d'abord, on retourne à Ville Griotte.
Ah, il est chaud mon PC. Bonjour, bienvenue, y'a blablabla. Oui. Ouais, Barbaro, ça rend mieux, je pense. Alors, je vais mettre le sprite, hein. Je vais le chercher. Bon, évidemment, le jeu n'a pas crash tout à l'heure, mais on va se sauvegarder à chaque fois, on va... Mieux vaut toujours être prudent. Encore beaucoup de données? Bah, dis donc. Donc, peu importe jusqu'où on va, la fin du live, ce sera à 18h. On peut même un petit peu continuer. On va voir jusqu'où on va aller, en fait. Voilà, c'est tout. On verra jusqu'où on peut aller. Allez, un cool qui coule. Des Pokémon cool. Un bon Roucool des familles. Voilà. Un petit sprite de Roucool. Ta 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 ta. Allez. On y revient. Maintenant, on ajoute le sprite. On l'avait appelé Purple Rose. Voilà, je vais directement ici. Je pense que là, ça va. Et voilà. On va mettre Barberose en première position. Enfin, non, non, on va laisser comme ça pour l'instant. On va laisser Amy. Roucoups ou Roucou? Ah, ça c'est la question, c'est le fameux débat. Moi personnellement, j'ai toujours prononcé comme ils ont toujours prononcé, c'est-à-dire Roucoups. Puis dans l'animé, Roucoups. Le Roucoups de Sacha. En fait, je me fie à l'animé et au film quand je prononce les noms des Pokémon. Même si j'avoue que parfois je suis en désaccord. Mimic. Alors toi, tu vas te calmer, mon petit pote? Ah non, je suis bloqué. Ah mais vraiment le coup critique, c'était un coup critique vraiment parce que regardez les dégâts qu'il m'a fait là. C'est bon, tout va bien. Moi aussi recours tous les jours. Ouais. Flash. Et regardez, on aura même pas besoin de chercher la CT Flash, il va la prendre. Brouhaha, c'est utile. Hein. On va enlever Strigoson, je pense, on l'a jamais utilisé. Pour l'instant, tant qu'il apprend pas d'autres attaques ténèbres. Parce qu'il faudrait quand même qu'il apprenne des attaques tapées. Hein. Elle. Notre chère Amy. Ouais, vraiment, on dirait qu'il a le turban d'un sultan sur la tête. Ouais, vraiment. Ou le même turban que portent les émirs. Ou un petit peu aussi un turban que portent les valets dans les palais musulmans, là. Vous savez, les petits turbans. Enfin, bref. Vous voyez peut-être le tableau. Alors, Tonnerre, alors, Ray, j'aimerais poser une question. Je savais que l'autre fois, Céleste était là. Tu sais, tu penses qu'elle va venir aujourd'hui ou qu'elle... Si elle est occupée, c'est pas grave, hein, c'est juste une demande comme ça. Parce qu'il y a que toi sur le live pour l'instant. On va dire. Dommage.
Bon, au moins, je me serais pas ridiculisé devant du monde. À voir, Mais bon, le sucre cool à Aéroblast, le fait qu'à un moment donné, je sache pas qu'il est tipsy, ça m'aurait évité de passer pour quelqu'un de ridicule. Mais ça aurait été marrant à voir. Alors, on va rester un peu dans ces hautes herbes. Babil, franchement, je ne sais pas ce que c'est que cette attaque. Je ne sais pas si tu m'avais répondu tout à l'heure. C'est quoi cette attaque? Non, Céleste ne viendra pas, elle est chez une amie. D'accord, ok. Bon, à propos de ça par contre, il faut que je te parle du fait que j'ai envoyé un message tout à l'heure sur Discord. Pour savoir, en fait, pour faire un test, j'ai lancé ce live samedi après-midi. Mais en vrai, est-ce que ça vous irait mieux si je lançais ce live les autres jours après? Genre par exemple, quel jour de la semaine ça tirait le mieux toi? J'ai proposé lundi, jeudi, vendredi, machin. Je sais pas si tu l'as vu ce message sur Discord. En gros, c'est un message dans lequel je dis à quelle date vous voudriez que je refasse un live. Enfin quelle date, quel jour de la semaine. Genre par exemple, est-ce que ça pourrait être vendredi après-midi, tout ça. Oh putain, j'ai pas vu, par contre il est niveau 5. Avec l'attaque et l'attaque spéciale. J'ai pas vu, il est niveau 5. Courage, fuyons. Mais voilà quoi. Moi, mardi, c'est mieux, je trouve. Ah ouais? Tu penses? Ok. Après, n'hésitez pas à répondre hein, au sondage quand même que j'ai mis, à mettre une réaction sous le commentaire pour savoir si tout le monde est d'accord. Je demanderai également à d'autres personnes s'ils sont d'accord. Bah oui, forcément, c'est niveau 5 en même temps. Je m'attendais à quoi? Niveau 9, c'est bien, c'est bien. On va mettre Barberose en première position. Non, c'était pas ça que je voulais afficher. Ça m'a affiché quelque chose que je ne voulais absolument pas. Regardez, j'ai même le sprite de Chenipan derrière. On verra dans ce cas mardi, ce sera de... What? En chiflore. Oh. D'accord. Bah attendez. Bah pourquoi se priver? Wellian. Les dégâts ridicules. Allez hop. Notre oiseau semi-légendaire, Aéroblast. Il doit être type électrique et plante à mon avis. Ouais. Bon allez, on fait Begrig. On va pas... Une derbe. Par contre... c'est un Pokémon plante. Je sais pas s'il a une évolution lui par contre. Si... Ray, est-ce que ça t'embête de regarder deux secondes si ce Pokémon là a une évolution? Si c'est le cas, on peut le prendre. Si c'est pas le cas, on le prend pas. Parce que c'est un Pokémon de plante. Ça te dérange de regarder en vrai? Je sais peut-être que je t'en demande beaucoup, mais c'est parce qu'en fait je veux éviter d'ouvrir une page internet en même temps que j'ouvre mon jeu. Sinon ça risque de planter. Oui, il en aura 6. Lui aussi? Bon bah alors, on le prend dans ce cas. Hein. On le prend. Aussi. On a déjà beaucoup de Pokémon dans l'équipe. En choix TV. Chiflore. Et chez Tiflore, pardon. Un Chiflore. Alors, on dirait un peu une salade. C'est ça, c'est une salade. Ah! Donc j'ai une idée de comment on va l'appeler. Plante électrique, et en plus c'est un bon type ça.
Du coup, j'ai une idée de comment on va l'appeler. Ouais, on dirait une salade un peu. On va l'appeler... En plus, c'est une fille. Donc, ça correspond bien. Scarole. Voilà. On va l'appeler Scarole. Je suis désolé, on dirait une salade. T'auras un haut massacre en pliflore. Trop stylé, ce sera trop beau. Même si j'aime pas très bien au massacre, mais mélanger en pliflore par contre, j'imagine que ça doit donner un super résultat. Allez, on l'appelle Scarole. Bon, bah, on a déjà une équipe... On a déjà pas mal de Pokémon. En même temps, si tous les Pokémon sont stylés dans ce jeu, c'est un peu facile. Ouais, Barberose a besoin de s'entraîner. Tout comme Scarole, niveau 3. On va monter Emic jusqu'au niveau 10 avant d'arriver à Mauville. Ouais, ça m'affecte pas. Voilà. Par contre, Punition, c'est un très peu de PP. Donc ce serait bien qu'il apprenne une autre attaque. Que tu apprennes une autre attaque, Emic. Je vais regarder combien de potions il nous reste. Je crois qu'on en a utilisé qu'une seule, donc il nous en reste 5, voilà. On va soigner Scarole. On peut peut-être tenter de l'affronter celui-là. Alors, j'ai envie de faire Aéroblast tout le temps, mais non. C'est un peu TP, on va pas le gâcher quand même. Regard noir. Ouh là 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 là. Non mais j'ai peur à chaque fois qu'il fait regard noir. Débilos, il refait regard noir. Voilà. Donc là, le son du jeu est toujours bien pour toi, Ray. C'est ni trop fort, ni trop... ni pas assez fort. Parce qu'à un moment donné, tu m'avais dit de l'augmenter. Allez, on continue. Peut-être un dernier combat ou un deuxième après, puis après, on va à Mauville. Bec Vril. J'adore l'animation de cette attaque. Alors tu m'avais dit quoi sur Babip? C'est vrai, j'ai pas vu ton commentaire de tout à l'heure. Babip, c'est une attaque de Colorior. Ah d'accord. C'est une attaque de Colorior. Mais je sais pas du tout ce que ça fait. Est-ce que c'est un effet secondaire, Babip? Oui, il est bien le son. C'est ce que je pensais. Et je vérifie quand même. Attends des secondes. Non. J'ai cru qu'on m'appelait. Allez, on en refait un dernier. Il y a des hautes herbes là-bas, c'est vrai, j'ai oublié. Une potion. Alors oui, c'est vrai qu'on peut aller là, techniquement. Du coup, est-ce que quand on a flash, on peut l'utiliser? Je me pose la question. On va voir. Alors, c'est qui a pris flash déjà? Je crois que c'est Emmy. On peut l'utiliser. On peut l'utiliser. On a déjà haché à flash, alors qu'on est tôt dans le jeu. C'est abusé. Alors que dans le jeu original, on n'a pas flash. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il y a quand même des Pokémon qui sont pas fusionnés hein, dans ce jeu. On a un Osferapti là. On a quand même des Pokémon qui sont pas fusionnés. Ça se voit que la robe, elle est pas... Bon, elle est pas parfaite, mais c'est une belle robe quand même. Bon, s'il y a autre chose que des Nosferapti, on va peut-être essayer de s'entraîner un peu.
Et toutes les musiques de ce jeu, c'était masterclass, hein, moi je le dis. De toute façon, on peut pas aller plus loin. J'ai l'impression qu'il y a que des Nosferapti ici. Voilà. On va le faire monter jusqu'au niveau 6. C'est la grotte de Nosferapti. Non, il n'y a pas que des Nosferapti. Bah, il y a quoi? Parce que là, je ne trouve que sur des Nosferapti. Il n'y a que ça pour l'instant sur lequel je tombe. Parfait. Si autre chose que des Nosferapti, je vais essayer de voir. Mais bon. Ah! Salut, c'est le cousin d'Emmy. Bon bah tiens. Cette fois c'est la même chose que tout à l'heure mais à l'envers. Je fais un aéroblast. Un octindre. Hop. Des racailloux, out. J'ai l'impression que t'es en train de te renseigner, t'es en train de te spoiler sur le jeu. Bon, après je t'en veux pas, hein. Normal. On va sortir cette grotte. Hein. Et on va aller à Mauville. Je pense qu'on va aller au moins jusqu'au boss de la tour Chitifleur. Et après on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va faire comme ce que tu as fait lors de ton dernier live, hein, je pense. Après je suis pas resté jusqu'au bout, mais je pense que t'es allé jusqu'au bout du boss et après t'as arrêté. D'ailleurs, t'en es où dans ton life? Parce que je suis pas resté jusqu'au bout. Est-ce que t'as des morts à déplorer dans ton équipe? Ou est-ce que pour l'instant c'est le calme plat? Noix grume noix. Oui, je sais qu'il n'y a pas de noix grume. J'ai attrapé plein de Pokémon, on va pouvoir faire un bon combat. Ouais, il a attrapé que des chenipans. Oh non. Bah non, c'est vrai. J'avais oublié. Dans la version originale, il n'y a que des chenipans et un aspico, je crois. Allez. On a battu la reine vol et on a perdu Black Kellogg's et tout. On a perdu Black Kellogg's. Ah oui, Black Kellogg's c'est... Je me rappelle plus quel Pokémon c'était sur ton live. Je ne me rappelle plus. Black Kellogg, c'était pas le... C'était pas le Houtout par hasard? Non, attends. Ah, j'ai pas vu ce qu'il allait envoyer. De toute façon, il faut que j'entraîne Scarol. Donc tu es allé jusqu'à l'arène vol carrément. Aspi Bing. Ça te suffisait, salut. Il y en a, ça ne suffisait pas d'être une bite, il a encore une bite sur le front. Pardon. Ah ouais, d'accord. Il a que des attaques plantes. Il a que ça, que des attaques plantes. Non, mais qu'est-ce que je... J'en peux plus de moi. J'en peux plus. C'est pas vrai. Je voulais faire changer de Pokémon. Ah. Moque-toi. Moque-toi, vas-y. Comment ça, je peux pas être échangé? Quoi? Ah, je suis foutu. C'est la fête ce live, c'est la fête. Oh, je suis obligé de rester. Je vais mourir. Je vais mourir. Voilà, en plus, il est plus rapide.
Bon, bah, Scarole, au revoir. Hein. Coup critique, en plus, il troll jusqu'au bout le jeu. Le jeu. Merde. Ouais, c'est Outout. Ouais, c'est bien ça. Putain. Ça m'énerve. Voilà. Mais vous êtes... C'est pas vrai. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Mon dieu. À l'aide. Ça va pas se passer comme ça. Si tu veux être cancer, moi aussi je vais l'être. Ça va, je tiens. Je suis niveau 9. Faut pas les conner non. Bon, le poison il va faire chier évidemment. Mais là je peux me mettre KO. Ah bah non, je vais pas faire brouhaha. Je vais quand même la soigner, hein. Je suis pas fou. J'ai pas d'antidote dans mon sac, je crois pas. Ah si, j'en ai un. J'ai un antidote. Ouais, je fais ce que je peux, hein. Voilà. Meurs à petit feu pendant que moi je me soigne. Je me fatigue. Et il refait l'aéroblast, c'est parti. Je vais te calmer, moi, mon petit bonhomme. Hein. Aéroblast. Non, mais. Je ne peux pas changer. Scarole qui meurt. Le poids poison. Du Aspico machin, là. Aéroblast coup critique. Non, mais c'est bon. J'ai le droit de vivre un peu. Ah, ça me fait penser que j'ai oublié de mettre le sprite de Scarole. Elle est morte du coup. T'es terrible, je t'aime. T'emballe pas mec, je suis pas homo. Alors non, dégage. Ne sois pas timide si tu veux un numéro. Dégage, je t'ai dit, je suis pas intéressé. Oh Dieu, il faut aller se soigner, au secours. On est blessé. Scarole qui s'est fait mettre KO. Dirigeons-nous vers Mauville. Allez vite. Ah ouais, j'avais oublié ça. J'étais sûr que c'était toi. T'es super rapide, quand est-ce que tu m'as dépassé? Tiens, pour te récompenser, voilà un cadeau. Magneto VS. J'aimerais s'il vous plaît une minute de silence en la mémoire du Magneto VS, le meilleur objet du monde qui nous permettait d'enregistrer les combats. Une minute de silence pour le Magneto VS s'il vous plaît. Non, je déconne, on va pas vraiment le faire, mais voilà. Le Magneto VS te permet d'enregistrer les combats de Pokémon. Allez, je pars devant, cette fois je resterai en tête. Allons-y Mario. Oh, c'était le bon temps. Nous y voici. Allez, hop. On va faire soigner tout ce petit monde. Bon début d'aventure. Eh, t'as vu ça, hein? On a des surprises, hein. Je pensais que ça allait être un live totalement normal, mais... Non. Est-ce peut-être parce que je joue comme un bouffon? Qui sait, je sais pas, hein. Alors... En vrai, tu préférerais que je mette le sprite de qui? Chez Tiplor ou en chouette? En vrai, ce serait quoi le plus stylé?
C'est Noël dans le monde des Pokémon. Et je ne connais pas la suite des paroles. Mais je m'en fous, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Enchouette. Bah va pour Enchouette. Ça fera ça à chaque fois que j'ouvrirai Internet. Hein. Je m'excuse, hein. Encore une fois. Le son frisera à chaque fois que j'ouvrirai Internet. Alors, Enchouette. Son nom, qu'est-ce qu'il est compliqué à écrire. Ah, il est pas sur ce site. Wesh. Attends. Bon, bah dans ce cas, attends. On va faire à l'ancienne. Parce que j'ai un truc en gros où je peux trouver tous les sprites. Ah non, attends. J'ai peut-être mal écrit en chouette. Ah non, c'est bon, j'ai trouvé son sprite. Le sprite, il est là. En tout cas, ça commence bien hein, pour notre Enchouette, le début d'aventure. Toutes les musiques de ce jeu sont... C'est masterclass. Alors, voilà. Hop. Dans le monde des Pokémon. Et je connais pas la suite des paroles. Et je fais ce que je veux avec mes cheveux. Et ce qui est sûr, c'est que... J'ai plus d'inspi pour la suite. Est-ce qu'on laisse Barberousse en première position ou est-ce qu'on met Scarole devant? Je serais tenté de mettre Scarole devant. Mais on veut pas la faire combattre, hein. On a retenu la leçon du dernier combat. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire genre, on va la mettre en première position et switcher. Allez, c'est parti. La tour Chétifleur. On va faire la tour Chétifleur et après on va s'arrêter là. Pour ce live d'aujourd'hui. Bonjour, mamie. On raconte que le pilier central de la tour était à l'origine un Chétifleur haut de 30 mètres. Faut arrêter de fumer, mamie. Vois-tu le pilier osciller? Les moines s'entraînent sur là-haut. Ta 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 ta. Allez, c'est parti. Alors, même en y mettant toutes nos forces, on pourra même pas ébranler la tour. Oui, il est vieux, il a 56 ans, tout au plus. Enfin, tout au moins. Il a des gens chiffleurs lui aussi. On peut rien faire contre lui donc. C'est le moment de tout casser, Kaiju. C'est quand même lui le ace de notre équipe jusqu'à présent. Racine. Ouais, il fait racine lui aussi. Ah, je vais faire comme ça à chaque fois. Hein. Je vais m'amuser à faire bluff. Hein. What? Allez, on va changer cette fois. Le bluff coup critique. Bah, pour un Pokémon qui a soi-disant une baisse en attaque, je trouve quand même que c'est pas mal hein, ce qu'il a fait. Provoque un pouvoir. Oh putain. C'est une blague. C'est bon.
Ok, j'ai compris, je vais aller prendre des objets de soins à la boutique. Je vais déjà être obligé de calquer, de craquer toutes mes thunes. De dépenser toutes mes thunes, quoi. Alors, et cette fois Barberousse, tout le monde va s'entraîner. J'ai dit tout le monde. Alors, il n'y a pas d'attaque électrique, donc ça va, on peut lui faire ça. Faut vous calmer. Les coups critiques là, c'est. J'ai une équipe de frappe à dingue. MDR Nyonx, la ref. Quoi, quelle ref? Je m'en suis même pas rendu compte. Tu m'as ébranlé. Je me suis même pas rendu compte que j'ai fait une ref à Nyonx. À quelque moment que ce soit. Je me rends même plus compte de ce que je dis. Évidemment, il y a des rontata. Eh, mais c'est bien ça. Attends, on va pouvoir s'entraîner sur le rontata. Vague psy. Il est psy, lui aussi. On aura tout vu. Protection. J'ai dit tout le monde. Ah, j'ai même pas fait gaffe, autant te dire. Ah ouais. J'ai même pas fait gaffe, tu vois, j'ai fait ça. Yes. Niveau 5 pour Scarole. Par contre, là, Amy qui est paralysée, hein. On va aller à la boutique. Bonjour et bienvenue dans le centre Pokémon. C'est parti. Je ne sais pas combien on a en argent. On va aller voir ça. Alors, on a 3764 Pokédollars. Donc on va pas acheter beaucoup d'antipara. Une 5, ça va aller, je pense. Vous pouvez pas faire les soldes. Ça va, ça coûte que 100 Pokédollars, ça va. Ça va, on va pas gaspiller tout notre argent. Voilà, il me rappelle encore pour me dire je sais pas quoi. Hop. J'ai jamais été dans ce bâtiment, c'est quoi ça? Académie. Monsieur Théophile vous apprendra tout ce qu'il faut savoir sur les Pokémon. Ah ouais. Faut pas y aller quoi. Eh, par contre, pour de vrai, je suis jamais vraiment allé dans ce bâtiment. Je suis jamais allé dans ce bâtiment de l'académie. Moi, en fait, j'avais tendance à avancer comme les gamins de mon âge, à l'époque. J'ai joué au jeu. J'avançais, je tambourinais comme un bourrin, et je me fichais de ce qu'il y avait autour. Alors. Un antipara juste là, en plus. Mais on aurait pu retomber sur un... Non, Chiflore, machin, truc chouette qui aurait pu nous refaire antipara. Donc c'est bien qu'on en ait pris d'autres. Nous y exprimons notre gratitude envers tous les Pokémon. Sage Quentin.
Attends, on va voir. Voilà. Je l'avais prédit. C'est pas vrai. Tuez-moi. Donc en fait, si je les one-shot pas, je me ferai paralyser. À tous les coups, c'est ça que vous essayez de dire? On continue. Ah là, la paralysie qui agit, mais bah voyons. Allez. Ah. Force. Bah oui, 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 oui. J'en aurais bien besoin. Hein. J'ai beau avoir une équipe de bangers, là... Oh, il y en a encore un. Kaiju Go. J'ai pas encore d'attaque feu sur Kaiju, j'ai vrai. Maintenant j'y pense. Rayon gel. Voilà. Merci. Mais toi, je te remercie pas de m'avoir en plus paralysé en un autre de mes Pokémon. Voilà. Continuons l'ascension de la tour. J'avais envie de me défouler. Je suppose que tu dois te demander, Ray, comment j'ai fait tout ça, c'est-à-dire comment je mets les sprites ou tout ça sur mon overlay. Après, je demande, hein, parce que je sais que toi tu fais sur tablette et que ton overlay il est simpliste pour l'instant, mais qu'il est bien. Alors par contre, ce que je te montrerai, c'est... Tu te rappelles quand Ryojin t'a fait la remarque durant ton live qu'il faudrait que tu fasses un écran de pause quand tu, par exemple, tu dis que tu reviens. Bah ça s'appelle des scènes, c'est ça qu'il voulait dire. Alors si tu veux, si t'es partant, je pourrais t'expliquer ça en Vox, ce que c'est que des scènes, en gros, sur un overlay. Bon, toi t'es sur Streamlabs, mais ça doit te paraître que OBS... En gros, t'as plusieurs scènes, et tu altères entre les scènes. Et tu fais des scènes de pause, des scènes pendant le live, voilà. Ouais, je me demande. Bah ouais. Comme une feuille d'arbre secouée par le vent, je vais m'envoler. Et finir écrasé par le premier connard qui va passer par là. Dans la terre. Parce que c'est ça qu'on vous dit pas, les enfants. Les feuilles, ça tombe des arbres, et ensuite, on marche dessus. Et ça finit par se détériorer. En gros, en fait, je t'expliquerai plus en détail, si tu veux, en vocal, quand tu voudras, par rapport. Mais ton overlay que tu as actuellement, c'est ce qu'on appelle une scène. Et sur Streamlabs, tu as l'occasion de mettre plusieurs scènes. Genre, tu dois avoir un onglet, je sais pas si c'est pareil que OBS, mais tu dois avoir un onglet pour pouvoir mettre des scènes. Et en gros, ces scènes, ça fait que quand tu vas cliquer dessus, tu vas alterner entre des scènes de pause et les scènes pendant ton live.
Par exemple, je sais pas si t'étais là au début de mon live, mais il y avait une scène, c'est-à-dire un écran différent, qui disait le live va bientôt commencer. En gros, c'est ça. Ok, je veux bien. On verra ça après. On continue le combat. Hey, Kaiju, il a... Kaiju, c'est un monstre. What's going? La paralysie lui fait rien. C'est un vrai Kaiju, ça. Moi, je vous le dis, ça va être un... Carnage, l'arène. L'arène de type vol. Faire racine si tu veux. Mais toujours pas paralysé. Hein. Et voilà. Niveau 12. Va falloir en monter par contre minimum niveau 14. Hein. J'insiste, je pense. Quoique, pour l'arène. Est-ce qu'on a vraiment besoin de monter niveau 14? On verra ça plus tard. Et en gros, sur pour faire tes scènes, en fait, t'as plusieurs choix. Soit tu peux les faire toi-même, soit tu peux prendre des scènes déjà existantes et rajouter des trucs. Moi, en fait, j'ai déjà pris des scènes déjà existantes et j'ai rajouté des trucs dessus. Genre, j'ai trois scènes actuellement sur quand j'avais sur mon écran d'OBS. Une scène démarrage, c'est-à-dire avant le live. Une scène pause, si jamais je suis amené à faire pause le live. Et une autre scène, fin du live, quoi. Alors, Kaiju. Je pense qu'il va encore me faire parasport. Voilà. C'est infernal. C'est infernal. Et Kaiju, il sent pas la race de la paralysie. De la paralysie. Franchement, de... Il en a rien à foutre. Ah, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ah ok, je vois, c'est bon. Ouais. Critique. Bah voilà, chat. Scarole monte au niveau 7, c'est bien. Méga Sansu. Bah tu parles qu'on va le prendre. Bien ça, Méga Sansu. En vrai, Racine, ça sert à rien. Allez. Eh, eh. Sage Alphonse. Le bronze ne gagne même pas... J'ai pas lu la suite. Bonjour. Et si on faisait ça, je pense qu'on peut faire un combat duo. Grâce à la cité de l'ancien, même les plus noires ténèbres s'illuminent. C'est vrai. Plus les ténèbres sont sombres, plus la lumière est éclatante. Ceux qui ont la ref, je vous aime. Ah, j'ai oublié de déparalyser Kaiju. Ça fait 2 heures du coup là. Mais ouais, mais on va finir. On va aller jusqu'à l'ancien. Et après, on va arrêter. Je pense. Ah, pour une fois qu'il me fait pas parasport. On va aller jusqu'à l'ancien et après on va s'arrêter là, je pense. Il rate son attaque. Il a raté parasport. Oh là là, c'est terrible. Chet. Et hop là. Je vais pas dire, mais pour l'instant, notre équipe elle gère.
À part les bourdes qu'on a eues au début. Ça va, là, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je suis illuminé et ébloui par tes capacités. On va le déparalyser. Kaiju. Ah non, fais pas de robot du haut. Montre-moi à quel point tu fais confiance à ton équipe et à tes Pokémon. Bah ça va pas, Baptiste? Qu'est-ce que tu fais? T'es pas net, Baptiste? Non, 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 il faut que t'arrêtes, Baptiste. C'est écrit pas comme ça en plus, hein. Mais voilà. Désolé. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Paralysie, paralysie. Tiens, prends ça. Je vérifie l'heure, ouais. Mais paralysé trois fois, mes barbes roses, merde. Oh là 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 là. Blizzout? Blizzout va être envoyé. Attendez, on va voir à quoi il ressemble du coup. Blizzout. Attends, montre-moi. Oh, il est marrant. Il est trop drôle. Il est trop rigolo, j'adore. Bon, il a un petit côté choupi. Il est trop marrant. Poudreuse. Voilà pourquoi j'ai changé. Blizzout. Bon, c'est vrai qu'il est assez mignon. Dégage. Et voilà. Ta confiance est totale, bien. Allez, on va se mettre à affronter l'ancien. Mais d'abord anti-para. Est-ce qu'on laisse Kaiju en première position? En vrai, je serais tenté de dire que oui. Allez, on va laisser Kaiju. C'est parti. Ta puissance est réelle. Comme promis, voici ta CT. Toutefois, tu devrais traiter tes Pokémon avec davantage d'égard. Tu es bien trop âpre au combat. Les Pokémon ne sont pas des armes. Pour quelqu'un d'assez prétentieux pour se faire appeler ancien, tu n'en as pas beaucoup dans le ventre. Bah, ça me surprend pas. Je n'allais quand même pas me faire battre par quelqu'un qui raconte qu'il faut être gentil avec ses Pokémon et je ne sais quelle ânerie. Je ne m'intéresse qu'aux Pokémon capables de gagner. Je me fiche des autres. Cassos? Ouais. Casse-toi. Il me semble que c'est une corde sortie en plus ce gars-là. Voilà. Corde sortie. Let's go. Allons-y. Allez, lui refaire le portrait à l'autre vieux. C'est parti. Bienvenue à toi, mon enfant.
La tour Chétiflore est un lieu où humains et Pokémon s'entraînent pour un avenir radieux. Voici venu le temps des rires et des chants. Ta-la-la. Voici venu ta dernière épreuve. Il te faudra me battre. À moi de tester le lien que tu entretiens avec ton équipe de Pokémon. Eh ben vas-y papy, je n'attends que ça. Voilà. Vas-y Kaiju. On sait que lui tu vas le one-shot, sans aucun doute, je pense. Non. Ça va me rendre fou. J'en ai assez de ces gens qui pleurent par un sport. C'est bon. Non, j'arrive à mettre KO, mais c'est chiant quoi. En Chifflore. Est-ce que je change? Non, je. Si, allez. On envoie Amy. Tiens. Bien fait. Yeah, voilà. Et voilà, enfin. Allez, hop. Je regarde les notifs que j'ai sur mon portable, mais j'ai rien. Hop là. Yeah. Vous avez vu toute l'expérience que j'ai gagnée? Roue de feu! Bah bien sûr que tu vas apprendre roue de feu. D'ailleurs, Kaiju ne l'a pas appris. Mais bref. À la place de Broa. Parce que c'est stabé, roue de feu. Blizzout, le voilà. Alors j'aurais envie d'envoyer Barbe Rose parce que je veux déparalyser Kaiju. Donc Barbe Rose va mourir, mais c'est pas grave. On n'a plus qu'un seul, allez hop. Ah, il préfère me faire souci graine avant. Il acquiert Insomnia. Bon bah, au moins on va pouvoir le garder en vie. Allez Kaiju. Ouais, let's go roue de feu. Attends qu'on l'utilise. Hop là. Normalement, vol glace, ça devrait être réglé en un coup. Voilà. Hop, niveau 13. Polyroche. Ah, c'est bien ça, Polyroche. Je sais pas si on va beaucoup l'utiliser, mais ça peut être bien.
En vrai... Attends, GPR, c'est combien de puissance? 50. Précision, 90. Et ton broche, c'est 60, il me semble. Non, 50 aussi. Mais 80 de précision. Plus de chances de rater ton broche, du coup, on va l'oublier, ton broche. Ah non, non. Donc on va oublier ton broche. Parce qu'il y a plus de chances de le rater. Voilà, on l'a battu. Admirable. Bien. Ta façon de te battre est extrêmement efficace. Avec un tel potentiel, tu parais capable de te mesurer à Albert. D'autre part, tu as mérité cet flash. Je suis sûr que tu sauras l'utiliser comme il convient. Ta-ta-ta-ta. Si un Pokémon apprend Flash, il pourra éclairer n'importe quel lieu obscur. Tu peux choisir de l'apprendre un Chitiflore, par exemple. Ouais, mais on l'a déjà Chitiflore. Enfin, on l'a déjà Flash. Ouais, non, on va utiliser la corde sortie. Je pensais la préserver. Mais finalement, on va l'utiliser. On va utiliser la corde sortie, c'est mieux. Beyblade hyper vitesse. Ah, wow. Voilà. Bon. Bah les gens, je dis les gens, mais il n'y a que toi, Ray. Enfin, je crois. On va se quitter là pour ce live, aujourd'hui du moins. La prochaine fois, on affronte Albert de Mauville, le champion, avec notre équipe, que vous voyez actuellement s'afficher sur mon overlay. D'ailleurs, on va prendre le temps de faire un dernier récapitulatif de nos Pokémon pour voir quels sont leurs potentiels. On n'a pas regardé les IV de tout le monde. Donc allons-y. Donc, commençons par notre starter, Keiju. Type feu et roche. Nature assurée. Il est quand même beau en attaque, c'est ce qu'on a vu. Bluff, j'ai pierre, polyroche, rayon gemme. Avec son talent fermeté, pour l'instant ça n'a pas servi, mais on sait jamais. Ensuite, on a Amy, notre hérissandre Noctalie, avec flash, punition, feu follet, roue de feu. Alors elle a attention qui empêche le Pokémon d'avoir peur. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Alors, jovial de nature. Alors, jovial, ouais, voilà, ça baisse la vitesse. Mais par contre, c'est une bonne attaque spéciale. Donc ça va faire un carnage avec coup de feu. Ouais. Ensuite, on a notre barbe rose. Alors, gloutonnerie encourage l'utilisation d'une bête nue. Je suis pas sûr de savoir ce que c'est exactement, mais voilà. Permuforce, extrascenseur, Begrill, Aéroblast. Notre semi-légendaire. Avec Aéroblast. Il est bizarre de nature. Ah ouais, donc en fait, en gros, il a pas de baisse de stats, de hausse. Enfin, je crois pas. Enfin, là où il est le meilleur, c'est en attaque. Et enfin, notre Scarol. C'est le seul Pokémon de notre équipe qui est tombé KO. Donc, elle est nulle. Mais j'ai envie de dire, voilà, c'est pas la chance du débutant. Peut-être que quand elle évoluera, elle sera mieux. Alors, elle a engrais. Ça pousse les capacités de type plante, en gros. Elle est hardie de nature. Hardie. Lorraine est hardie. Bon, allez, j'arrête avec les références. Et ben voilà. Donc, c'est là qu'on va se quitter, les gens. On va sauvegarder et la prochaine fois, on se mesurera à Albert. Ça va être un carnage, je vous le dis, avec notre Kaiju type roche, feu, machin. Ah ouais. Donc, merci d'avoir suivi ce live. Merci à toi, Tonnerre, d'être venu. Et donc, si tu veux, on pourra faire un vocal après sur Discord si tu veux que je t'explique en gros ce dont je t'avais parlé tout à l'heure. Et puis, je verrai également, j'enverrai un message privé peut-être, enfin je sais pas, je me débrouillerai, pour savoir si le prochain live sera mardi. En tout cas, il sera toujours à 16h, ça je peux te le dire, je peux te le confirmer, ce sera toujours à 16h. Mais si ça te va mardi pour faire le live,
C'est ok. Donc merci à tous d'avoir suivi ce live. Et en attendant, bye tout le monde.